Zami la presse parlée, écrite et télévisée, bonjour. Et m'a dit nous bienvenue dans notre 30e sortie les lundis de la presse. M'a salué tous les médias d'État qui là, à savoir Radio Nationale d'Haïti, Télévision Nationale d'Haïti et tous les amis diaspora qui branchés sur les réseaux sociaux. Comme nous connaissons, depuis le président monté dans l'office, il était toujours à parler de changement, de comment par le travail pour améliorer les conditions de vie de chaque haïtien. Dans ce sens, et toute institution, tout directeur général, ministre, secrétaire d'État, de recevoir en lettre de cadrage de la Premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine. Et selon le vœu du président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Je dis à c'est avec plaisir, n'a pour recevoir dans le ministère de la Communication pour 30e édition, le lundi de la presse, directeur général et DGIA, et c'est direction générale des impôts, M. Muradin Molan. Avec lui, il va parler nous de bilan activité pour première année et président sous pouvoir. Et puis ensuite, il va parler nous tout de nouvelles mesures que DGI prend pour année fiscale 2017-2018 là. Avec nous, mesdames et messieurs, le directeur général de la DGI, M. Muradin Molan. Merci. Merci. M'absalue nous et mesdames, messieurs de la presse. Parler, écrit et télévisé qui est avec nous matin là. C'est un plaisir pour moi et encore une fois, venir faire parler avec nous sur le bilan de l'exercice passé, c'est-à-dire l'exercice fiscal 2016-2017 et perspective pour l'exercice fiscal 2017-2018. Et comme nous connaissons, alors, m'a tout pour une précision, d'accord, pour collègues moi et pour nous-mêmes tout, et la presse qui l'a, qui a regardé moi. Et que c'est pas Muradin, parce que ça il y a un petit problème qui était déjà corrigé déjà, d'accord, et qui corrige au lieu de Muradin, c'est Muradin Molan, d'accord. Merci, et parce que nous offrons opportunité ça et pour me faire parler avec nous et sur et fiscalité comme nous connaissons, moi toujours à l'aise. D'accord, non seulement pour élaborer, d'accord, et question de fiscalité avec nous, et moi toujours à l'aise également pour me répondre question nous, et c'est la raison pour laquelle moi toujours demandé pour avoir moi un petit temps, d'accord, pour me capable, parce que nous tellement chargé, nous connaît que et Léon est directeur général de la direction générale des impôts, ou tellement chargé, ou tellement gain bagaille pour dire, capable de dire nous que une journée pas suffit pour nous être capable de dire tout ça que nous gagnons dans Djakout, tout ça, si vous nous fait bilan de ça nous réaliser déjà, et qui ambition nous gagne pour nous parler de la DGI, côté le sorti, et qui côté lié qu'on y a, et qui perspective qui gagne tout, d'accord, pour les années à venir, qui ça que nous gagne, qui et ambition nous gagne pour l'institution ça, qui jodi, qui existait depuis 1924, si je ne m'abuse, et qui va le fêter 94 années d'existence là, le 6 juin prochain, et que qui j'en saté et jodian qui j'en saillé. Donc pas pas frapper l'estomac moi là pour me dire que moi rivé et DGI rivé côté le taille déjà, mais on capable dire non que DGI sont bonne base. DGI déjà sont sous rail côté que pour Lyon DGI tant que toute l'autre DGI qui dans région. Et au point de vue, n'est-ce pas, de la technologie, nous capable de dire nous que n'a pas avancé très bien et nous connaît que et pour nous arriver côté nous arriver là, un paquet de bagages qu'on fait déjà. Bon, pour nous rentrer dans question, pour nous rester dans question directement, si vous nous avez parlé de et qui j'ai exercice fiscal exercice fiscal 2016-2017 là, nous connaît, nous capable besoin connaît qui j'ai, parce que nous connaît que nous t'a implémenté un plan de un plan stratégique dans DGI. Et 2012 à 2017, le plan stratégique ça, il était gagné un paquet et comme tu as dit ça, et point la donnée pour nous être capable d'arriver réaliser pendant l'exercice là, mais nous connaît par rapport à quantité bagaille qui gagne, par rapport à genre situation pays à terre, nous pas capable d'arriver et exactement implémenter, d'accord, tout, c'est pas implémenter, réaliser tout point que nous te gagne comme priorité yo, mais cependant nous vinn insérer et ça qui pas de réaliser pendant exercice fiscal 2017-2018 et 2017-2018 là. Alors 2016-2017 là, non, il y a un plan stratégique 2017 à 2022
que nous gagnons qu'on y a, parce que le plan stratégique 2012-2017 là, t'es gâtant prend fin depuis le 30 septembre dernier. Avec plan ça, nous te gagnons prévision de recettes. Et nous connaissons qui s'en débaille plus et importance dans le plan stratégique ça, c'est de la question de la technologie. C'est-à-dire c'est arrivé informatisé, d'accord, presque tout site de la DGI. Mais nous connaissons un plan qui est pas capable de gagner de temps pour nous être capable d'arriver informatiser la DGI dans son intégralité. Mais je veux dire, avec plan stratégique 2017-2022, nous allons être jusqu'en 2020 pour la DGI arriver totalement informatisé sur tout le territoire. Et je suis capable de dire, non seulement le centre des impôts, la direction départementale, mais également les alliés. Les alliés, comme je dis, c'est la plus petite partie et qui puisse exister, la plus petite partie administrative qui puisse exister à la DGI. C'est-à-dire c'est côté qui n'a pas une potentialité fiscale trop élevée, donc nous mettons une agence locale des impôts, là, mais sigle, c'est ALI. Donc, n'a privé informatisé, d'accord, et tout ça. Yo. Donc, DGI, le ça, nous prenons gagner un plan, nous prenons gagner un autre système, qui sont système RMS 7, c'est-à-dire le Revenue Management System, qui va permettre DGI d'arriver interconnecté, d'accord, à travers la République. Le ça, DGI, nous prenons beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient également, d'accord, dans nos actions, dans nos opérations. Donc, faut dire nous que c'est un exploit. Donc, pour l'exercice année, nous avons une prévision de recettes et prévision initiale de 33 milliards de gourdes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il était passé à 35 milliards. Malgré ça, nous atteignons une prévision ça avec un écart positif, 33 milliards, nous faisons plus de 36 milliards. C'est-à-dire, c'est pas blague, on n'a pas eu de milliards, on n'a pas eu de millions, d'accord? C'est nous qui avons fait plus de 36 milliards sur 33 milliards malgré le passage de l'ouragan Matthew. Nous connaissons qui problème ça a été posé. Donc, eh bien, grâce à l'intelligence, nous, grâce à et dévouement nous et le sens de leadership nous tous également, avec tous les employés de la DGI, toutes couches confondues, qui mettaient main au n'importe là et que nous arrivions et atteindre prévision ça. Et je suis capable de dire nous, pour l'exercice fiscal 2017-2018, là, étant donné que nous avons fait tout ça, nous avons fait comme et recette pour l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2016-2017, vous connaissez toujours, ils ont toujours révisé prévision à la hausse. Ils viennent par nous, ils ont prévision de recette au lieu de 36 milliards, ils ont prévision de recette de 41,5 milliards de gourdes pour exercice ça. Mais nous n'avons même pas de budget rectificatif. Avec exigence temps fait nous, avec nous connaissons graisse cochon, cap cuit cochon jusqu'à présent, gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle à voilà, ce n'est pas question de 41 milliards encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Ça. Avec qui ça va collecter? Contribuables qui habitent à payer déjà, ils n'ont pas besoin de peur. Ce n'est pas là que nous allons chercher comme ça. Mais, cependant, ils ne vont pas le payer plus bien toujours que les gens ont été payés. Ils vont le payer plus bien toujours, qui ça me dit par là? Ils vont le prendre disposition pour essayer, ouais. Dans qui mesure ils sont capables de faire vraie déclaration pour vous faire. Pour vous essayer beaucoup plus ponctuel, collecter l'argent de l'État, pour nous mettre à disposition de l'État, pour l'État capable d'exécuter le projet. Et je dis, c'est sous graisse cochon pour nous compter.